Tout est démesuré ici, fais très attention. Il est grand. Bon, c'est ton transit, ça va? Ouais, mon transit. Ouais, en vrai, j'avais plutôt un bon transit, même. Aucun problème de transit, quoi. Ah, mais c'est grand, mais c'est de la merde. Oui, bien sûr. Très clean, très très clean. Oula. Ok. Ok, bien. En courant, on maintient Z et appuie sur A pour faire un saut en longueur. Tu veux voir un exemple? Putain, tu sais bien que après 15 heures de jeu, tu me la prennes, ça fait plaisir. Ah merde, attention. Oula. Parapapaparapam, tout le monde est chaud. Ouais, tout le monde est bouillant. Ouais. Parapapadabam! Wouh! Ah oui! Ah oui, oui, j'aime ça. Maintenant. Un peu trop tard. Il faut bien pré-shot comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Il faut être au cul de l'un pour toucher l'autre. Regardez. Alors, c'est moins vrai du coup là, mais Ah oui, je suis même très. Si, si. Au cul de l'un pour toucher l'autre, regardez. Au cul de l'un pour toucher l'autre. Si, si, c'est une vérité. Voilà. Voilà. Pidipipipolipada. Tout le monde est chaud, ouais, 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 bouillant. Ok. C'est vrai qu'ils sont gigantesques, hein. On va aller chercher ça, bien sûr. Let's go! Moi, je dois y aller. À plus, Ponce. Merci pour la bonne fin de stream. Merci pour ces 4 heures. Bah, bah, merci à toi pour le soutien. À plus, bon courage pour le taf. What? Attendez. Nickel. Aïe. Nickel. Je vais aller chercher la pièce là-bas, bien sûr, pour Regen. Boum, je vais aller chercher ça. Ok, ça, ça apparaît. Là, attendez, qu'est-ce qui se passe? Ça fait quoi? Ça remonte. J'ai fait de la merde, non? Je suis descendu un peu bas pour rien. Non, si, c'est bon. Ah oui, mais ça redescend. Attendez, je tourne en rond. Je tourne en rond. Tournez manette, sans bon. Non, c'est bon. Non, je pense que c'est bon. Non. Rien à foutre. Je m'en fous. Je préfère mourir que rater ça. Bah oui, j'ai envie d'aller voir du coup.
Moi aussi, on va confirmer les mécaniques aussi ici. Parce que bon, c'est pas... On n'est jamais à l'abri d'une... C'est pas confirmé du coup. Merci Geekilmato du coup pour le 2e mois, PPJ pour le 8e et merci Araforce pour le 6e mois. Merci à vous. Est-ce que la boucle va commencer? Non, je pense pas. Je pense pas. Là, par contre, là, c'est marrant, il y a des pertes de frames ici. Vraiment. C'est marrant. Enfin, juste à un endroit précis de la cam. Ça va. Ping pom pom. Ouais, j'allais dire là je grid un peu là. Régus 50%, bah non, Régus 66%. Du coup, ce que je vais faire... Non! Oh ça va, tout va bien, non tout va bien, tout se passe exactement comme ce que je voulais, c'est nickel. C'est exactement ça que je voulais faire. Et là maintenant... J'ai tellement bien fait, regardez ces fleurs magnifiques, regardez! Est-ce que j'ai pas bien fait sérieux de mourir pour voir ça? Voilà. Trop stylé. J'ai rien oublié, si. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais non. Ah, j'ai vraiment bien fait x2 quoi. Voilà. C'est un régal. C'est un régal. Loïc de quelque part qui fête son 2e mois, merci. Et Momo la frite aussi, merci pour le 8e mois. Merci à vous. C'est un régal, non? J'ai bien fait de faire demi-tour. 42 déjà. Ça va vite, hein, pour le moment. Je me resserre de l'eau. Attendez. Je me sers de l'eau. Je vous invite évidemment à faire de même et vous servir un petit verre d'eau. Ah, horrible. Merci à Canouille pour le subgift, merci beaucoup. Canouille 74 Ah oui, je voulais faire autre chose, mais c'est ça. Ah, voilà. Allez, go. Les bruits de bouche, par contre, c'est non. Ouais, j'arrête bruit de bouche, promis. J'arrête les bruits de bouche. Merci, petit homme, pour le 2e mois. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année à toi et toutes les fleurs. Merci. Merci. Bon, je viens de recevoir mon t-shirt des fleurs. Bah, lourd.
Ça régale, merci pour le soutien, c'est gentil. Il faut tout refaire ! Ah mais oui, bah oui, bah oui, bah oui, bien sûr ! C'était une étoile secrète, il faut donc tout refaire. Trucmuche, merci pour le deuxième mois. Bien sûr. Effectivement. Ponce, c'est quoi ton pseudo porno vu que tu en as parlé hier ? Putain, j'en ai sorti des conneries hier pendant Popcorn. J'en ai sorti des conneries ! On en a dit de la merde ! Ya. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, j'étais un peu en roue libre, j'avoue, hier. J'étais en total roue libre. Bien sûr. Prends Luigi, le pauvre. Oh non, non, non. Boum. Ça prend ça, ça récupère ici. Ici, on se met un peu sur le côté. C'est du speedrun hein, qui vous est proposé, bien sûr. On t-bag. On sauvegarde. On jump. On jump ici. Et du coup, là... Non, ah non, c'est pas là. Le cul de l'autre. Ça marche, hein. C'est une vraie technique que je vous propose ici, hein. Regardez, viser le cul de l'un pour avoir le ventre de l'autre. Le cul, et là, le ventre. Exceptionnel. Pareil ici. Ou un peu tôt. Oh, ça va. Oui, j'ai vu, vous êtes plusieurs à avoir dit qu'on peut avoir des vies infinies sur ce niveau. Je vais pas exploiter ça, mais j'ai vu. Effectivement. D'ailleurs, en parlant de Pornhub et du popcorn d'hier, est-ce que t'aimerais pas faire un Ponce la nuit avec Manuel Ferrara ? Si, ce serait un invité très intéressant pour le coup, pour un Ponce la nuit, bien sûr. On n'a jamais vraiment discuté, lui et moi, mais bien évidemment, je le connais et je crois qu'il me connaît aussi. Très sympathique, ce mec. Oh, va falloir le refaire. Formalité ici même. C'est une formalité. Hop, ça speedrun ici, boum. Là, ça envoie là. Hop, ça enchaîne sur la suite, ça passe là. C'est du platformer classique. On se retourne, on jump arrière, on saute là. Voilà. Ici, on ressaute. Hop là, c'est cadeau, c'est moi qui offre. Ça prend le checkpoint et ça continue. Je remercie avant QC le paresseux pour les deux subgifts que tu viens de faire. C'est très gentil, merci beaucoup. Et Super Pal, merci pour ce troisième mois. Merci beaucoup. Close. Elles sont vénères. Mais non! Et ben voilà. Paraforce, merci pour le subgift aussi. Et Felty, merci pour le deuxième mois. Cette étoile vous est spécialement dédicacée. Yes! Je regarde bien Ponce là. Excusez-moi. C'est possible. C'est possible que le jeu soit un petit peu farmé actuellement par moi, tout à fait. On m'avait promis du slow run. Après, je prends mon temps, hein, mais...
ça régale. Franchement, le monde 1, on l'a bien, bien poncé ici. Il reste que deux trucs à faire. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Propre. Quel flow ce jeu quand même. Là, il en faudra 1200. Il suffira de 1200. Le monde à l'envers, ou bien le mont mielleux. Oh, de la bonne... Ah oui, de la bonne abeille. Je suis chaud. Quand Ponce meurt deux fois sur un niveau, le chat s'affole, et quand il réussit du premier coup, tout le monde est déçu. Oui, oui, non, mais c'est très dur. C'est très dur de satisfaire tout le monde. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Étoile d'argent au royaume des abeilles. Tu devrais compléter tes étoiles, Ponce, quand tu seras dans un monde, je ne dis pas lequel, tu seras obligé d'en avoir une quantité. Oui, mais on le fera en temps et en heure, ne vous en faites pas. Pourquoi tu me dis ça ? Yes ! Tout sera fait en temps et en heure, bien évidemment. Ok, j'ai raté toutes les pièces, donc c'est plutôt très bien joué de ma part. Après le mont Ventoux, le mont Mielleux. Ah, je peux pas aller là-bas. Est-ce que je retombe sur la balançoire ? Et je me renvole ? Ouais, c'est exactement ce qui vient de se passer, ouais. Mais non. Allez go. J'avais pas visité en bas en plus. J'ai bien fait. Bon bah c'est... La visite en bas est énorme. Ah mais si, mais en vrai y'a ça et tout. Mais si. Mais sans déconner. Ah. Super. Un jeu de dés. Ouais! Yes! 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 Je suis très récompensé. Merci Fritchy. Bonjour, je découvre Twitch, je souhaiterais me sub pour vous soutenir. Merci pour le 9e mois. Bonne découverte, hein, de 9 mois, là. Oh yes, encore une vie, yes. Ok, on est reparti, messieurs, dames. Je fais mes quêtes pépou sur WoW et j'entends des YES. Ça me termine. Bah je suis content quoi. Si vous voulez je peux vomir aussi quand je suis content mais... Ah oh. Et hey, oh les nouveaux sons de mal. Y'a quoi là-haut? Ok, pas ouf. Hop là, dodge de la bulle. Hop là, pas de dodge de la bulle. Et dodge maintenant de la pabule. Et on s'envole. Vers d'autres cieux. Ça va, tout va bien, tout va bien. C'est super. C'est le catastrophe.
Super. La bulle va arriver maintenant. Je n'ai qu'à m'envoler. Bonjour, petite abeille. Elle peut repartir comme ça, ouais. Oh là ! Attendez. Énorme. Oh, énorme. C'est incroyable. Ah, ce qui se passe, c'est assez exceptionnel pour être tout à fait franc avec vous. Boum. On repart ici. Ah non, je me suis pris un arbre. Allez. Y'a quoi en bas d'ailleurs? Y'a que des petits monstres mignons ici. L'ambiance n'y est pas délétère, au contraire. Oh, y'a un checkpoint là. Qu'est-ce qu'il y a là-bas aussi? Aïe. 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 Ouais. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a ici à votre avis? Peut-être ici un wall jump? C'est exceptionnel. Oh, peut-être ici aussi? Et on redescend pour voir ce qui se passe en bas. Et on évite de tomber. Et on reprend de la vie là. La vida loca. Hop, et on repart ici. On repart là. Le jump ici, le jump cut est sublime de la part du joueur FR. Hop, on récupère ça. On re-wall jump. Boum. Là, il y a une abeille morte. On va la sauver. Oh, pardon. Je lui ai envoyé un fragment. Oh, merde. Ça va? Un dialogue à couper le souffle. Non, ça va me faire quoi ça? Ah, ça va disparaître littéralement. Sauf si je suis une abeille. Je suis une abeille, je suis une abeille. Salut Pon, c'est mon premier jour de congé, quel plaisir de rester te regarder plutôt que repartir bosser après la pause midi. Bonnes vacances. Profite un max de ces vacances surtout. J'ai une tâche à te confier. Quelque chose me démange au niveau du dos. C'est à toi que revient l'honneur de me gratter. Ah, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle... Oula, mais putain, mais... Ils sont des millions. Je suis seul, homme en... Quelle erreur. Boum, le snipe, Call of Duty, 2011. Oh merde. Mais arrêtez de reculer, bordel. Voilà. Hop, je me cale sur elle.
J'ai même pas besoin de la gratter. Je n'ai même pas besoin de la gratter que ma récompense est déjà même le sol. Je vais quand même la gratter un peu. Oh, ça chatouille. Merci d'ailleurs Lucie Bazin pour le deuxième mois. Et merci Romain Dial pour le deuxième mois aussi. Merci beaucoup. Le prime, ça mange pas de pain pour faire fleurir des fleurs. Merci Romain Dial. Oh, écoutez, elle a l'air de passer un bon moment, hein. Mario, il se balade sur une abeille, quoi, littéralement, c'est... Oh ! S'il vous plaît, madame ! Super. Il y avait une petite connexion entre nous deux, je suis d'accord. Il y avait un truc. Il y avait un petit truc, ouais. C'est vrai. Peach en PLS. Ah, mais Peach, elle se fait capturer comme d'hab aussi. Elle me laisse tout seul. Vous savez, c'est chiant pour Mario aussi, hein. Salomonde. Rien à faire, Mario, les salomons. Oh, qu'est-ce que champignon à rayures, c'est désespérant. Attends, c'était le premier niveau abeille qu'on avait fait, sérieux? Ah ouais? Non, je mélange dans mes souvenirs avec le 1. Ah ouais. Bon, pour le coup, c'était vraiment du recyclage parce que le truc de gratter l'abeille, c'est exactement la même chose dans le 1, quoi. Non, t'en as déjà fait. Ah oui, j'en avais déjà fait, on est d'accord. Hein. Ça me dit vraiment un truc. Le monde à l'envers. Alors là, on risque de se péter la tête, ok? On va se casser le crâne, frère. Crasse la gorge. Crasse le crâne. Let's go. Des hauts et des bas. Dans la ville. Yes. Ok. Oh là là, ça nous casse le crâne. Merci Devil Scred pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. Ah mais regarde. Voilà. On pas pour le connard. Ah mais là devant. Un bidon tout mou, de quoi elle parle? Où il parle, enfin j'en sais rien. Qu'est-ce qu'il nous raconte? Je vais attendre là. Qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai cru que j'avais sauté dans le vide, je m'étais dit bah ça c'est propre pour le coup. Ah non, c'est des fleurs. Je ne ferai rien contre vous. C'est hors de question que je vous ou quoi que ce soit. Je t'y-bag un peu quand même. C'est hors de question. Ah
Tu nous teabagues. Trop mignon lui. Attends, moi si je fais ça. Ça fait rien. Qu'est-ce que je fous? C'est quoi ça? Oh. Attends, quoi? Ça allait vite là. What? Ok. Ok, j'avoue que là pour le moment j'avance un petit peu vite. Super. J'avance un petit peu au hasard mais ça marche donc ça régale. Ça régale vraiment, ça marche. Ceci fonctionne. Il y a tellement de trucs à découvrir du coup. Ah, j'ai probablement oublié une pièce comète. Alors déjà, si c'est le cas, ne pas le dire parce que ça me spoil du coup à peu près l'endroit d'où elle est. Et aussi au-delà de ça, de toute façon, les étoiles, les pièces comètes, on les fera petit à petit aussi dans le jeu. C'est-à-dire que je les prends quand je les vois. Après, je les cherche pas spécialement. Et si jamais, en fait, on refera les niveaux plus tard, quand on aura fait toutes les autres étoiles. Ça permet de revenir sur des niveaux que t'as pas fait depuis longtemps et tout. En général, ça fait plaisir. Un petit peu comme les... Par exemple, la comète violette, là, sur le 1. Tu revenais dans des anciens niveaux pour récupérer, bah, du coup, toutes les pièces... Pardon. Toutes les pièces violettes. Et c'était assez agréable, je trouvais. C'est cool de refaire des trucs comme ça. Super. C'est quoi le truc à ta droite? À ma droite? Là? C'est, en fait, c'est un coussin fleur. Ça là? C'est un coussin fleur. Voilà. C'est le coussin qu'il y a même sur ma... Dans mon setup canapé. Hein. Voilà, purement et simplement. Et là, je l'utilise parce qu'en fait, vu qu'on joue quand même sur la Wii U avec le capteur Wii U avec une Wiimote, c'est un peu l'enfer. Du coup, je suis obligé de soulever un peu ma main. Et vu que j'ai besoin de soulever ma main, bah je la pose sur le coussin comme ça et ça le fait plutôt bien en vrai. Voilà. Ok. Ponce, des news quant au réassort de la boutique, c'était pas censé être arrivé mi-décembre, fin décembre. Si, j'avais dit entre mi et fin décembre. Écoute, pour le moment, il y en a. Non, t'as pas tout raté. Pour le moment, il y a pas. Voilà, ça. Je sais pas exactement quand ça arrivera, mais entre mi et fin décembre, ouais. Ce que j'avais dit. Tout à fait. Ça devrait pas tarder. Ok. C'est assez, quand même, Mario, c'est assez immoral, hein. C'est-à-dire que là, t'as quelqu'un qui dort, qui embête personne, qui est calé là. Ah merde, ah, ça va de l'autre côté. Et nous, on arrive pour, je sais pas, pour le réveiller. Ah d'accord! Nous on arrive pour l'embêter, le tuer. Enfin, c'est vraiment horrible. Ah oui. Ah, la violence. Ok. Parfait. Meilleure position ever, regardez. Oui, c'est vrai qu'il a volé une étoile. C'est vrai, vous avez raison, c'est vrai qu'il a volé une étoile. Tout à fait. Après, bon, il avait pas l'air si méchant. Je pense qu'on aurait pu juste lui dire « Est-ce que tu peux nous filer l'étoile STP ?» À mon avis, il nous l'aurait donné. Hein. Mais bon.
Bon. Bon. Je pense, tu vois. Je pense le STP... Je pense. Le jeu m'a pas proposé de négo, bon bah, on va pas négocier, mais... Voilà, de là à tuer, bon, tuer pour un vol, je sais pas, tu vois. Évidemment, évidemment, on est contre le vol, hein, bien sûr, mais tuer quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Si tu te sens seul, sache que nous sommes tous de tout cœur avec toi. Puisse l'objet joint cette lettre être salutaire. Mais ça c'est Harmonie qui me parle. À vous. À vous. À vous, Harmonie. Merci Tidus Neo pour le 10e mois. Merci beaucoup. On y retourne, hein, j'avoue. C'est quoi du coup la deuxième étoile ? Ville et forêt. Oui. Allons-y. Est-ce qu'il y aura un crossover Fleur et Ratus dans la boutique ? Bah pourquoi pas un jour, ouais, puis même Cerveau avec Reeve, franchement c'est à voir. Tout est possible, vous savez cette boutique, on l'a vraiment fait en ayant très peu de connaissances de ce milieu-là, du textile ou autre. C'est vraiment pour le plaisir au final, et parce que beaucoup de gens en parlaient. Et du coup on va découvrir petit à petit, tu vois, on va progresser petit à petit. Enfin, on va forcément proposer des choses qui seront nazes, proposer des choses qui seront vachement bien, des choses qui seront... On va voir quoi. Vraiment, c'est... Il faut s'attendre à tout est possible, je pense. On va tenter, quoi. Ponce viewer de l'ombre, j'ai découvert les ponces la nuit hier soir, au final quasi nuit blanche. Ah ouais. Ah oui, t'as dû regarder les trucs, Simon. Simon. Boum. Après, la boîte de Zera gère pas mal de choses, non, Ponce? La boîte de Zera? Quoi? Non. Je travaille pas avec la boîte de Zera? Alors, pour le coup, je ne sais pas de quoi tu parles. J'avoue. Alors effectivement, je travaille avec la même personne que Zerator pour la gestion de la boutique, mais comme Solari travaille aussi avec cette personne, comme énormément de boutiques de streamers travaillent avec cette personne, mais ça n'a pas de rapport avec Zera, pour le coup. ZT Prod, ouais non mais même ça n'a pas de rapport pour le coup, c'est vraiment... c'est Rudy, ouais c'est ça, c'est Rudy de Individuals, mais pas spécialement de rapport avec Zera, si ce n'est que Zera passe par lui aussi quoi. Ouais, complètement, ouais, complètement, l'agent R, le boss en fait, c'est vraiment le boss, hein. Mais après, tu vois, lui, il s'occupe de tout ce qui est, comment dire, il fait pas la même chose que nous, c'est-à-dire que lui, il peut pas nous dire non si on a vraiment une envie et qu'on peut le faire, tu vois, et c'est pas lui qui nous crée nos designs, etc, etc, donc c'est pas, comment dire, pas ça, quoi. Je sais que c'est pas comme ça et qu'il faut le faire avec la fleur, mais j'ai envie de tenter, ok? Je vais essayer un truc. Alors clairement, avec Luigi, ça aurait été plus simple vu qu'il saute plus haut. Ouais.
Je sais ce que je vais faire. Voilà! It's totally nickel. Alors, je sais pas ce que je fais. Hein. Actuellement, strictement aucune idée de ce que je fais. Non, il faut vraiment lâcher ça. Putain, mais... J'ai un problème. Ah. Oh. Sérieux ? Non, je vais attendre, je vais attendre. Non, ok, je vais attendre. Elle est où l'autre? Elle est où, Jeanne? Là, à droite, ok, il y en a une à droite. C'est maintenant. Les 5 sont là, messieurs, dames. Nous avons donc créé l'étoile suprême. Elle est ici. Et elle est au milieu de cette map. Merci, Chomdu, pour le 3ème mois. La bise se fond d'Avignon. Je serai à Avignon normalement, bah demain. Demain, je suis à Avignon. Demain, j'arrive à Visgeg, comme on aime l'appeler. Ça c'est... Ok, c'est bon. Super. Est-ce qu'on peut me dire pourquoi j'ai été banni 60 secondes alors je n'ai rien fait de mal? Bon, après banni 60 secondes en général c'est juste histoire de dire dire genre chute, faut pas faire ça et tout. Mais je viens de regarder ton historique et parce que tu m'as backseat en disant il y a un truc derrière, faut l'utiliser. Et en fait, bah du coup c'est du backseat donc en fait on... Voilà. Après c'est pas grave hein, c'est pas grave du tout, mais tu vois 60 secondes c'est pas grave non plus comme Théo. Mais en gros, il faut bien comprendre qu'il ne faut pas... Il faut pas dire ce qu'il faut faire parce que sinon... Bah sinon, moi je découvre pas le jeu comme je pourrais le découvrir seul, tu vois. C'est ça le truc. Voilà. Mais en quoi j'ai backseat? Bah... Backseater vraiment par définition, c'est dire à l'autre ce qu'il faut faire, dire à l'autre... Tu vois, un petit peu comme si tu jouais avec ton frère, ton cousin, ta cousine ou j'en sais rien qui te disait genre... Alors, va derrière, là il y a un truc, tu vois, c'est ça en gros. Mais après c'est... attends, c'est une minute de Théo, hein, c'est rien. Hein. C'est vraiment rien du tout, c'est juste pour dire, ne dites pas. Voilà. Oh là, voilà. En fait, le truc c'est qu'en me disant, regarde derrière, il y a un truc peut-être, même si c'est pas vrai, même si tu sais pas, bah en fait moi je vais penser à regarder derrière parce que tu me l'as dit. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est particulier, mais c'est pas grave, hein, t'inquiète, tu sais un Théo de... Un Théo de un timeout de une minute, c'est pas très grave, c'est pas très très grave. Théo, c'est comme un casier judiciaire, on s'en souviendra même si t'as toujours les mêmes droits que nous. Yes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ouais. Si tu as le temps de bavasser, tu as aussi le temps
de faire rouler les gens, petit chenapan. J'ai voulu tester. J'ai voulu tester, c'est un truc que j'ai... Tranquille. J'ai même pas lu du coup ce qu'il m'a dit, pardon. D'accord. C'est quoi ça? Ok. Maître mot de cette usine, c'est routine. Allons mon garçon, veux-tu bien faire rouler les champs jusqu'ici? Bon, j'ai cru comprendre, hein. Il y a quoi là-bas? Ok, donc je peux pas monter là, donc il faut que je monte par là. Ok. J'essaie de comprendre ce qu'il faut faire là parce que... Ça me fait tomber, merde. Ok. Oula. Ok, ça va. Ah non. Ok, c'est pas grave. Tranquille. Tranquille. Super. C'était quoi ça déjà? Ah non, j'ai raté. Ah non, j'ai raté. Remonte, c'est bon. Voilà. Super. Je peux pas monter là? Merci d'ailleurs Zélios pour le 8e mois, merci Kishinart pour le 10e mois et merci Kron pour le 3e mois. Merci beaucoup. Oh non, je voulais passer au-dessus. Super. Attends, ça fait quoi ça? Ok. Et du coup là... Ah mais elles vont en bas, d'accord. Ah oui, d'accord. On se fait écraser. Génial. C'est génial là. Perfecto. Un petit checkpoint, un point de vérification. Vachement bien le point de vérification ici. Vachement cool. Vachement bien, ouais. Petit point vérif, ouais. Oh non, c'est Bowser. C'est de la merde. Le point check. Merci CTEC pour le prime, merci beaucoup. Je comprends pas ce qu'il faut faire. Ah si, bah elle est là en fait, d'accord. Ok.
Ça, c'est les trucs qui bougent. Ça, ça se fait... Ouais. Ça disparaît ou... Ah non. C'est une balance. C'est une poucave. Je te trouve marrant un peu, c'est cool. Merci Vicious. Merci beaucoup. Ah! Ah non, j'ai détruit la balance. Ok. Ah mais... Qui a fait ça là? Attends, quoi? Ah, une seconde, j'ai pas compris le... Il doit y avoir un système. Voilà! Il est passé tout seul! Énorme! Énorme! Non, mais c'est nickel ce qui est en train de se passer. C'est ce qu'on appelle le talent T-A-L-A-N. C'est-à-dire qu'il n'existe pas en fait. Incroyable événement! Ah oui! Ah oui, d'accord! Ah, c'est tout! Ok, boum boum bim bam. Ah, c'est un petit peu de la... C'est un petit peu du dev, quoi. C'est un petit peu du dev, tu fais passer un code et tu regardes si c'est fluide, quoi, jusqu'à l'exec, en fait. Vu qu'il me restait quelques bits, j'en profite pour vous souhaiter d'excellentes fêtes. Merci, Okar, pour les 100 bits, c'est gentil. Merci, Bibi Youyou, aussi, pour les 100 bits, merci beaucoup. Très gentil. Ouais. Ouais, il y a ça, ouais. Ok, il y a ça. Ouais, il y a ça. Ouais, il y a ça, ouais. C'est-à-dire que la boule va arriver là, bien sûr. Là, ici. Faut arriver à descendre ça, voilà. Faut descendre ça, super. Ça, ok, faut arriver à descendre ça. Super. Elle passe, elle passe, elle passe. Elle est là. C'est magnifique ce qui est en train de se passer. Ici même, vous voyez, ça va passer, voilà. Comme on dit dans le jargon, ça passe donc crémasse. Et ici, regardez bien, elle va arriver là, ici là. Boum. Voilà, elle arrive, elle dégomme ça, et là. Hop, ça fait ça, c'est super. Et boum, ça arrive ici, c'est terminé. Et c'est l'étoile. Et c'est l'étoile directement ici qui est récupérée par le joueur FR. Terminé. Terminé. C'est maîtrisé du début à la fin. Ponce, t'es team 24 au soir ou 25 au matin? Pour les cadeaux, nous, dans notre famille, c'est 25 au matin. J'ai toujours beaucoup aimé le 25 au matin avec la famille parce que ça laisse pas mal de suspense, tu vas t'endormir, t'es tout excité et tout. Moi, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Et après, tu profites des cadeaux le 25 toute la journée à la suite de l'ouverture. J'ai toujours bien aimé ça, j'avoue. Recherche main-d'œuvre. Les tâches insolites de l'espace, ça te connaît, pas vrai? Eh bien, mémé Robbie a un travail pour toi. Je t'attends dans la galaxie de la mine d'étoiles, alors dépêche-toi. Je comprends pas la team matin, je peux pas ouvrir plein de cadeaux et ensuite aller faire la vaisselle et passer l'aspirateur, ça casse toute la magie. Mais parce que c'est pas ce qui se passe. La team matin, c'est surtout tu te réveilles, t'as trop hâte, tu te retrouves, tu ouvres les cadeaux, et après bah tu vas manger et t'as tous les cadeaux d'ouvert et tu profites toute la journée des cadeaux. Ah c'est magique, le matin vraiment. Trop bien Mario Galaxy, my fave game. Nice. Blue Spicy, merci beaucoup. Ah non, c'est trop bien, moi j'adore le team matin. Et en général, quand je parle avec des teams 24, tu
Tu vois, genre, j'essaye de m'imaginer et tout, et je vois pas d'avantage à l'ouvrir le 24, en fait. Genre, le 24, tu l'ouvres, et après, bon, bah, il est tard, donc, bon, t'en profites un peu, mais tu vas te coucher, et voilà, et le 25, tu te lèves, et voilà. Et Noël, c'est fini, quoi. Enfin, si, tu vas bouffer, quoi, mais... Du coup, Noël, c'est fini. Franchement, j'arrive pas à me convaincre que le 24, c'est cool. Ouais. Je fais de mon mieux, merci pour le Prime, merci beaucoup. Et tu fais ton mieux et tu le fais très bien d'ailleurs, avec cette utilisation du Prime. Magnifique. Moi je suis d'accord avec toi Ponce, d'autant plus que le 24 c'est mon anniv. Oui bon là, c'est encore différent. Ah! Stylé. Oh, merci Kay pour le 18e mois. Ma fleur continue de pousser. Merci beaucoup, mec. Merci David BZH aussi pour le 9e mois. Merci beaucoup. En me réveillant ce matin, j'ai vu qu'il y avait plein d'étoiles argentées par pied sur l'aile. Ouais, complètement, je me dis qu'il faut aller les chercher. Ah bah oui, après il y a les parents divorcés. Alors évidemment, il y a les parents divorcés, dans ce cas-là, tu fais Noël. T'es obligé de faire un Noël. Oh. Ok. Merci Quentin Sago pour l'abonnement. Bienvenue Adrien aussi qui prime, merci beaucoup. Ah. Propre. Merci Antonin aussi pour le Prime. For the Prime. J'ai une fleur, moi je crois. Encore ? Nice. Merci Twister pour les 2 abonnements offerts, c'est gentil. Merci Twister. Twister. Ouais, c'est nickel. Ça nous récupérons. Ah oui, ça fait quoi ça déjà ? Ah oui, ça fait laguer, oui. Attends, quoi? Ah! Ok. Non, mais si, c'est bien. Ah! Ok. Alors oui, nous allons tourner cette boule dans l'autre sens. Comme ça, comme ça. Non, alors. Comme ça. Et là, on a... Ok. Alors, on fait ça. Ça, c'est magnifique là, voilà. Magnifique, super, et de 2. Merci Dumbin pour le 2e mois, merci beaucoup. Là il y a quoi? C'est une boule, ça c'est pour voler. Bah on va prendre la boule. Ah mais j'ai perdu le mojo. Ah non, ça va, j'ai pas perdu, ok, c'est ce que je vais faire. Je sais exactement quelle va être ma stratégie.
pour la tristesse. Maintenant. Maintenant. Le plaisir, hein. Le plaisir est maximum. Au maximum. Maintenant, on récupère ça. Boum, 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 boum. Et là, regardez ce qui va se passer. Donc, je vais donc là-bas. Hop. Non. Ok, j'ai cru que je l'avais raté. Ouais. Alors, je me suis pris un mur, ça m'a vachement déconcentré, déstabilisé. Du coup, oui, effectivement, ça m'a décalé. Mais regardez bien ce qui va se passer maintenant. Ah non, je peux le retenir comme ça. Ok, je découvre, je découvre, je découvre. Ok, super. Aucun problème. Super. Mais non, Squales qui offre 5 abonnements sur la chaîne. Merci Squales pour les 5 abonnements offerts. Merci beaucoup. Bienvenue aux 5 nouvelles fleurs que nous accueillons grâce à toi. Et seulement toi. Elle est là, hein. Ah, je peux monter. Ah oui, je vais faire ça. Sublime. Et donc la dernière est là, mais cette dernière elle est là, mais c'est-à-dire elle est là, enfin. Bah elle est juste là en fait. Voilà. J'ai eu une prime de Noël, alors j'ai voulu en faire profiter les fleurs. Oh, c'est trop gentil, Squales, merci. Profite de ta prime aussi, hein. Fais-toi, mets-toi bien, surtout. L'exploitation de Yoshi, on en parle. Écoutez, Yoshi est consentant, hein. Pour le coup, c'est pas de l'exploitation à proprement parler, hein. Attention. Hein. Attention. Hein. Il aime ça. Oh non, mais c'est pas qu'il aime ça. Enfin, il se passe rien, mais il est gentil, quoi. Putain, c'est énorme. On avait 25 étoiles. Je me suis dit, est-ce qu'on va réussir à monter à 50? On est à 48. Il est quasiment 16h. L'objectif sera atteint, normalement. À moins qu'on choque une demi-heure sur un niveau. Normalement, l'objectif, il est là. Hein. Il est bueno. J'ai envie de faire pipi. Mais c'est peut-être le moment de faire pipi, du coup. Je vais faire un petit pipi. Ok. J'arrive. Je vais faire un petit pipi. Je suis là dans 1 minute 30 environ. A de suite les fleurs, voilà. C'est énorme. Post pipi, à de suite, post pipi. Ouais, 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 ouais.
Re! À toutes et tous, oui, bah oui, Mario il dort, il s'est installé, il s'est calé. Il s'est calé, yo! Tu m'as donné envie de rejouer à Super Mario Galaxy 2. Je pense qu'après ton live, je vais go chercher ma Wii enfouie dans mon bordel et rejouer à cette merveille. Ça régale en vrai. Ça régale. Double pub. Ah là là, c'est dur la double pub pendant qu'il se passe rien sur le live. Oh, c'est dur. Bon, courage. Ah, oh, courage. Hop. Allez. On reprend. Merci petit Jay pour le deuxième mois. Merci beaucoup. Triple pub. Mais non. Est-ce qu'on se refait... C'est quoi ça? Il faut 40. Bon, je les ai, hein, mais... Vas-y, plage. On se refait la plage. Voir ce qui se passe ici. Ton coussin, je le veux trop. Est-ce que tu vas le mettre sur le shop? Alors, ce coussin-là, il m'avait été offert par les... Par les Modéraflore, d'ailleurs, pour mon anniversaire en 2019. Et je crois que c'est un coussin qui était à HM et qui est plus. Il me semble que c'était ça. Mais je suis pas sûr. L'escalade des nuages. Allez, go. On replonge. Il y a beaucoup trop de streams entre les pubs, je trouve, perso. Je suis désolé. Pour 2021, on fera attention à gérer un peu plus, effectivement, tout ça. Mettre un petit peu plus de pubs. Mettre un peu moins de live entre les pubs, ce serait pas mal, effectivement. Ah, c'est un trou, ça? Ils sont bons, hein, chez Nintendo. Ils sont bons. C'est très très bon, ça. Bien joué. Ils sont forts. Hein. Très très forts. Très 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 forts. Très très forts. Et d'ailleurs, j'ai pas de nouvelles de... Attends. Ah mais non, putain, j'ai entendu des bruits, j'ai cru qu'il pleuvait mais dehors, mais comme si c'était mais vraiment une tempête monstrueuse, alors que finalement c'était absolument pas... C'était pas dans la vie, c'était dans le jeu. Mais ouais, j'ai toujours pas de nouvelles de mon opticien. J'avoue que bon, c'était censé être dispo aujourd'hui. Si c'est pas dispo aujourd'hui, ça me vénère. Qu'est-ce que ça fait, ça? Énorme. Énorme. Hein? Comment on fait déjà? Ah si. Oh, il rigole. Yes, ça regarde. T'as une bonne mutuelle, pompon. Et bah, c'est même... Non, c'est même pire que ça, c'est que j'ai pas de mutuelle. Pas de mutuelle. Voilà. Donc, elle est excellente. Autant te dire qu'elle est excellente. Voilà. Voilà. Même pas avec Webedia. Mais je travaille pas avec Webedia. Je comprends pas pourquoi. Y'a rien. Mais j'ai pas de mutuelle, je suis indépendant, hein. Donc non, j'ai pas de mutuelle. Alors tous les gens avec qui je travaille, eux, je suis obligé de leur proposer des mutuelles, bien sûr. Ça c'est obligé, quoi, quand tu emploies des gens, tu es obligé de leur proposer des mutuelles. Mais par contre, moi je suis travailleur indépendant, j'ai pas de... Je peux m'en prendre une si je veux, mais en fait,
J'ai tellement aucun problème de santé, enfin, à part mes lunettes, j'ai pas de... J'ai aucune raison de payer une mutuelle, en vrai. Donc, voilà. Ce serait une perte d'argent infinie, en fait, d'avoir une mutuelle pour moi. Merci beaucoup, Ifoc, pour le 7e mois, merci beaucoup. Je resub en fermant les yeux pour pas me spoil et je fonce sur le jeu pour te doubler d'ici la prochaine fois. Merci pour le soutien. White Eclipse aussi, merci pour le 2e mois, j'avais pas vu. Merci beaucoup. C'est dangereux de se dire ça. Oui, alors oui, bien sûr, on peut toujours se dire jusqu'au jour où, machin, bidule, etc, 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 etc. Mais... Le truc, c'est que la vérité, c'est que... Évidemment, si un jour il y a un truc, bah, on verra, tu vois. Mais... En soi... Enfin... Je sais pas. C'est un peu le principe, quoi. Oui, voilà, c'est un peu le principe de l'assurance ou de la mutuelle, de se dire... Ah, jusqu'au jour où, évidemment, mais bon. Jusqu'au jour où, mais bon, quand même pour l'immense majorité des utilisateurs de mutuelles ou quoi, tu te fais plus entuber qu'autre chose, quoi. Enfin, souvent, quoi. Mais, moi, je suis pas vraiment un profil à mutuelle, c'est-à-dire que véritablement, j'ai aucun problème. Alors oui, un accident, c'est vite arrivé, mais... Mais à part ça, enfin... Aucun souci, quoi. Merci Poulos pour le Prime et merci Xenos pour le 5e aussi. Merci beaucoup. Par contre, je comprends pas ce que je dois faire, c'est énorme. J'ai ouvert un magasin de location de radeaux nénuphars, d'ailleurs c'est l'inauguration aujourd'hui. Ah, oh, profite, tu peux te servir de mes radeaux tant que tu le souhaites. Ah bon? Ah, c'est ça. Je sais pas ce que je dois faire. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire. C'est quoi le nom de... J'ai pas lu le titre. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On va voir. Ça doit être ça en vrai. Non? Ah bah non. Olé! On va voir. J'ai raté des trucs là. J'ai raté Xenos qui fête son 5e mois. J'ai raté Winsmary qui sublift. Evins qui prime. Parknerba pour le 2e mois. Merci. Timatom, 17e mois. En jouissance, merci pour le 3e mois. Et Razlan qui offre 508 en disant... Superbe découverte, mais pourquoi personne ne termine l'heure? Merci beaucoup. Ah, sous l'eau, je vais rentrer dans la tour. Je sais. Par là. Voilà, les pièces. Les pièces, c'est le chemin de la... du bonheur. Non? Ouais. On prend un peu d'air, là, ça met bien. On ressort là, on va atterrir dans la tour, c'est ça? Exactement. Voilà. «
Nuage. Ah. Ça, ça lance des bulles. Faut que je me mette par là pour être pris dans la bulle. Voilà. Et venir au nuage. Boum. Merci Roro Catastro pour le 8e mois. Merci beaucoup. Je pensais qu'il y a un truc. Attends. Non. En tout cas, elle est cool cette étoile parce qu'au moins elle demande un petit peu d'exploration et tout. On n'est pas en tout droit, c'est propre. J'aime bien. Ah oui! Alors. C'est. Ok. Ah. Super. Ah, attendez, il y a quoi là-bas? C'est des pièces ça. Mais là, il y a un truc nuage, c'est pas pour rien. Il y a un truc nuage, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais il y a même des bulles qui nous amènent là-haut. La la la. Attends, mais il y a même plein de trucs qui nous... Ah oui, c'est une étoile. C'est pas une pièce. Attends, mais est-ce qu'il y a une bulle qui nous amène là-haut? Hop. Attends, c'est quoi cette bulle? C'est là? Mais j'arriverai jamais à... Est-ce qu'il y a des nuages que je peux atteindre ici? Ah, dommage! Dommage! Ah, je peux pas partir de la bulle. Attends, mais quoi? Qu'est-ce que je fous? Ah non. Ah non, je peux pas sortir de là. Ok. Ah! Ça y est, j'ai capté. Voilà, il a mis du temps, mais il a capté le minot. Ça y est, j'ai. Merci Samjika pour le Prime. Bienvenue. Merci beaucoup. Super. Regardez. Voilà. Voilà. C'est super. Est-ce que je m'impatiente ? Je m'impatiente. Ah. Ah. Ah non, je peux plus créer de nuages. Ah non. La vie est si dure. Ok, on refait. Ok. Je réfléchis à mon positionnement en fait. J'essaie d'optimiser ça en fait. Oh, y a mes traces de pas. Là, 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 là. Putain, c'est fort quand même. C'est fort, la Wii. La Wii, c'est très, très fort. Ah, mais y a plus de bateau. Oh, t'es chiant. Il fallait que je revienne en bateau. T'es chiant, t'es chiant. Mets-moi d'autres bateaux, s'il te plaît. Oh non. Mais quel enfer. L'eau, ça enlève les nuages, ouais, ouais. Ouais. Tiens, j'en parlais. À part si une étoile nous dure 30 minutes,
on y... Ouais. Ok. Merci Shuka pour le deuxième mois. Merci beaucoup. On y va. Boum. Petit saut arrière pour récupérer ça. Et on y retourne directement. Pas de précipitation sur au niveau de la création des nuages. Il faut la jouer extrêmement stratégique, messieurs, dames. Il y avait ce nuage qui était pas mal en vrai. On va l'attendre. Attends, on va l'attendre, mais... Ouais, c'est pas ouf. Hein. Ouais, oula. Ah oui, mais il y a des poissons qui gênent. Les gars, faites un effort. Ok, c'est bien, c'est bien. C'est-à-dire que là, je suis là, j'ai toujours pas utilisé un seul nuage. J'ai rarement été aussi bien. Là, je pense qu'il faut que j'en fasse un quand même. Il faut que je fasse un effort, non? Ouais, je pense. Je vais le faire autour de là, parce qu'il y en avait un plus haut. Voilà. Et là, il y en a un là. Donc là, j'aurais plus qu'à... Ok. C'est chiant. C'est ça, c'est chiant. Ah bah super. Au top. Yes. Yes. Voilà. Elle est trop bien cette étoile en vrai. Elle est trop bien cette étoile, j'ai kiffé. Vraie satisfaction, pardon, quand tu l'as enfin. Trop bien. Ah. Bon alors qu'avons-nous là? Tu veux faire jouer avec ton petit nuage? D'accord, amuse-toi bien, t'as juste de garder les pieds sur terre. Qu'est-ce que je fous là? Pourquoi il me fait ça? Il est cassé. On refait. Il est cassé. Alors, plage, ça c'est fait. Hâte de tes vacances, Pompon. Oui et non. En fait, le truc, c'est que j'aime beaucoup ce que je fais et ça me rend très heureux ce que je fais. Du coup, c'est assez difficile de partir en vacances parce que tu te dis, mais pourquoi j'arrêterais de bosser si au final, ça me donne énormément de plaisir de travailler, tu vois. Tu te dis, bon. Du coup, en fait, faut un peu que je me force. Mais au final, en partant en vacances, je remarque que ça, évidemment, ça fait toujours du bien de s'aérer l'esprit. Et tu reviens en général plus frais, plus propre, avec des idées que t'aurais pas eu sinon. Ce genre de choses, quoi. Voilà. J'ai vu des amis il y a une dizaine de jours, un soir, où on s'est fait un Noël entre amis. On était en toute petite communauté, entre copains pour se faire Noël. Et rien que le fait de parler avec eux, que ça faisait longtemps que je les avais pas vus, qu'on était confinés, etc., etc. Juste le fait de parler avec eux, ça m'a donné des idées, quoi. C'est propre. Enfin, ça fait plaisir, quoi. Bon, tu peux pas partir en vacances avant d'avoir atteint les 10 000 subs. Mais ça, c'est votre objectif, hein. Moi, on est... C'est très très bien, hein. On est bien, là. On est très très bien. Tranquille, hein. Ah oui, exact. Et clairement, hein, vous aussi, vous allez me manquer, ça me manque de ouf de... Enfin, rien que quand je live pas le samedi, c'est-à-dire que mon dernier live c'est le vendredi soir et je relive le dimanche, j'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas live, je suis trop content de lancer. Enfin, c'est insane. Alors bon, après 10 jours, oui, ça risque d'être assez long, ouais. En même temps, après, on attaque l'année 2021, qui à mon avis ne va pas s'arrêter, enfin, qui va être assez... Yes! Super. Qui va être assez huge aussi, quoi. Merci Pépé pour le prime. Merci beaucoup, bienvenue. Les retrouvailles ne seront que plus belles, mais de ouf. Yippee.
Ça fait plaisir. Merci. Go. Franchement, quelle année, dire que je te regardais avec 200 viewers, c'est beau ce qui t'arrive, Ponce. Merci pour cette année. Bah merci à vous pour le soutien. Hein. Franchement, c'est aussi grâce au... C'est vache... Ah ! C'est trop dur ! Mais putain, mon cadavre ! Ok. C'est aussi et surtout grâce aux gens qui me suivent depuis longtemps et qui ont beaucoup cru en moi, quoi. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même abonnés à ma chaîne depuis 3 ans. Quand tu sais qu'il y a 3 ans, concrètement, sur mes lives, il y avait 20 personnes, quoi. Donc, il y a vraiment des gens qui me suivent depuis mes premiers lives à 2 viewers, quoi. C'est ouf. Get high dans le chat, bien sûr. Et plein d'autres, quoi. Il y a une fleur, par exemple. Il y a une fleur, Zay. Il me suit depuis que je faisais des lives à l'époque sur Justin TV à un viewer sans cam, sans micro. Sur League of Legends, j'écoutais de la musique. Putain, merde. Et genre, Zay, il me suit toujours, quoi. C'était en 2012-2013, hein. C'est assez ouf. Depuis la Yuma TV. Ouais, voilà, c'est ça. Franchement, c'est assez ouf. Ouais. Ah merde! Putain, je fais n'importe, c'est énorme. Est-ce que je te kiffe? Oui. Quand tu vas pour un programme sportif jaune, le coach Arnaud. Tu régales avec ton. Merci, c'est gentil. Avec ton pseudo, coach Arnaud. Bon. Allez! J'ai lâché la manette. J'ai lâché la manette. Je lis le chat en fait. Je lisais le chat vu qu'on discutait. Allez go. Tu fais un bon trop tôt. Non mais regarde, en fait y'a pas besoin de le faire. En fait je grid parce que Regarde, tu peux sauter ultra tôt. Même là j'aurais pu sauter bien avant. Voilà, là aussi. En fait c'est juste que je lisais le chat et du coup je faisais absolument pas gaffe à ce que je faisais. Ça c'est chiant. Le chat a bon dos. Non mais c'est vrai. Bah des fois je lis le chat, des fois je joue, des fois un peu les deux, des fois machin, et c'est vrai que sur un. C'est comme ça, bon voilà. Voilà. Bon, t'as déjà fait un Donkey Kong. Non par contre là il y a eu un portage, non? Il y a eu un truc sur Switch. Il y a un Donkey, un truc comme ça, non? Tropical, ouais, celui-là. Merde. Tropical Freeze, exceptionnel. Oh, je le ferai peut-être, hein. Mais vas-y! Cette mécanique du ressort déjà dans le 1, elle nous faisait péter un plomb. C'est reparti bien évidemment. Oh putain. Il est très heureux. Merci Coralie pour le sixième mois. Coralie qui nous dit: je me tape une petite gastro, s'il te plaît, soigne-la. Ça va être chaud, j'avoue, je vais pas te mentir. La gastro avant les fêtes qui passe bien là pour bien se vider avant de bien rebouffer, c'est nickel. Quel plaisir! Parfait.
Merci Solchi aussi pour le sixième mois. Merci Warrock pour les 300 bits. Et Crazy Fox pour les 300 bits aussi. Merci beaucoup. Et vos messages très gentils. Les 50, on les a, messieurs, dames. On les a. Merci Dracotan aussi pour le Prime. Bienvenue. Tu entends ça? Il fait brain comme un lapin stellaire. Mais non. J'adore regarder ce stream en 160p à cause de ma box de merde. Oh bah surtout pour un jeu en 480p, si tu regardes le live en 160p, à mon avis, ça doit être absolument immonde. Merci Dexron pour le 11e mois. Merci beaucoup. Par contre, moi ce que je kiffe, c'est que c'est certes du 480 bah de la Wii, hein, mais par contre la fluidité, enfin vraiment le jeu est ultra fluide quoi. Ça, non, 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 non. Je suis sûr qu'il va me parler pour me dire de faire une pause. Parce que je suis mort un petit peu. T'en as pas mal bavé ces derniers temps, fais donc une petite pause, va, après vite. Ta gueule. Le gars est ultra susceptible. Ta gueule. Je pense que là, si j'avais eu genre 9 ans, j'aurais lâché un vrai ta gueule. T'en as pas mal bavé? Tu pues un peu la merde, non? Ça te dirait d'arrêter de jouer et de faire autre chose? Parce que t'es vraiment à chier, en fait. Le maître du vaisseau qui régale. Allez, go. Putain, mais... Ah, super. C'est insupportable, faut reculer, quoi. La Wii a vraiment prévu. À la base, on était censé jouer vraiment à 800 mètres hein, du capteur. Allez. Oh non. Avec style. Je suis sûr que j'ai raté un truc, non? Ah! Boom. Je sais pas pourquoi à chaque fois que je vois un Kamek ou un personnage qui ressemble à Kamek, ça me fait penser à Kameto, c'est insupportable vu que c'était son personnage sur Mario Tennis. Et c'était la seule personne au monde à jouer ce personnage sur Mario Tennis et du coup à chaque fois que je vois ce personnage je pense à... Putain je suis con. Mais ça ne m'empêchera pas putain de récupérer quand même le truc. Oh non mais je suis con encore. Oh, la précipitation est de mise ici. Ah! Ah! Ah, sérieux? Attendez. Propre? Propre! Oh, la transi est insane! Ah, c'est de l'eau? Il y a du feu dans de l'eau. Non mais ça va plus du tout, il faut arrêter le LSD du côté de Miyamoto, hein, c'est n'importe quoi. Hein. C'est quoi cette merde? C'est de l'eau ça? Faudra leur dire que c'est pas possible. Hein. Ou alors, ouais, c'est de l'eau hautement chargée en méthane, ou effectivement avec du pétrole, quelque chose, mais bon. Pour un jeu aussi réaliste que Super Mario Galaxy 2, j'avoue que je suis assez étonné de voir ce genre de choses, mais bon. Bref, passons. Ça n'en avance rien à la qualité du jeu. Hop là, le jump into ça, bien sûr, bon. Tac, ça prend ça dans le dos, et ça trace. Thank you.
Ah, dommage. Ah! Quoi? Ok. J'ai sauté au hasard. D'accord, ok. Ah! Ça fait bader! Ah ouais? Ah mais je suis connecté par contre. Je suis connecté. Y'a pas une pièce là? Oh ça met ultra bien. Oh ça met ultra bien. Attends non pas maintenant. Non. Qu'est-ce que c'est? Faut le refaire. Merde, j'ai mal visé. Ok. Je capte très très bien. Ouais, je capte tout à fait ce qu'il faut que je fasse là, ici. Voilà, et ensuite là. On va aller viser ça. On se met juste ici. Hop, on se met là. Là. Parfait. Ça va, pour le moment la plateforme est ok là. Bon, j'ai un peu paniqué un moment, j'avoue, mais ça va. You. Ah. Est-ce que t'as pas envie de m'attendre? Mario, bouillie plasmique point colosse. Ah oui. Non. Qu'est-ce que faut que je... Ok. Non, ok, c'est pas ça. Ah. Ah, ouais. Je peux monter dessus. Ah non, c'est à eux de les casser. Putain, je suis con. C'est à lui de les casser pour justement que j'aille dessus. Là, là, par exemple, j'ai un... Ah non, elle a disparu. Oh, la pièce, alors? Oh non, elle va disparaître aussi sous mes yeux. Non, ça va, j'ai la pièce. La panique est palpable du côté du joueur français. Ok, ça y est, j'ai capté le pattern. Donc, il y a ça. On saute. Il va les détruire, je me mets middle. Exactement, il touche les deux. Ah mais non, mais il est détruit, du coup, je suis trop con. C'est l'inverse qu'il faut faire. Mais tranquille, on prend cette... Tranquille, on est bien. On saute ici. On fait durer le fight, c'est normal, c'est la base. Voilà. A l'inverse, on va ici. Voilà. Là, il envoie ça. Et là, boum. Première balle. Et là, il y a une deuxième qui peut partir. Elle est où? Bon, il n'y aura pas de deuxième. Attendez, mais on n'a pas battu un boss de la même manière. C'était dans le 2 aussi, je crois. Ou c'était dans le 1, je sais plus, putain. Je me mets là. C'est bon, je suis bien. Je vais sur ça. Et boum. Ah mais ça lui a rien envoyé, si? Ok. Ah non, c'était dans le 1, c'était dans le 1. Je sais plus. Non, dans le 2. Ah mais faut qu'il soit pas trop loin non plus, genre là, là. Là. Voilà. Oh là, c'est insane. Ah oui. Boum, dans la patte arrière. Ah, c'est horrible. Ok, donc flamme, 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 flamme. Là, il faut qu'il saute là, 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 là. Parfait. J'ai juste à sauter là, là. Hop là, le coup, boum. Pleine face. Et 2-1. Par contre, faut pas qu'il saute ici. Ah!
Heureusement que j'ai 6 vies en vrai. Là, faut qu'il saute là et c'est parfait. Nickel. Dans la gueule. J'ai l'impression que ça lui a rien fait. Il a été protégé. C'est la première fois que la carapace de Bowser est utile. Première fois. Là, dans la gueule. Ouais, ouais, ça calme mon pote. Super. Ça va faire mal. C'est bon. Ok, donc si je me mets là, normalement c'est bon. Ici, il va sauter là. Ouais. Là, j'ai juste à me décaler, monter sur cette planète là. Et là, je lui envoie dans la gueule. Moi, c'est impossible. Mario, pauvre fou. Mon plan poursuit son cours, tu ne pourras jamais m'arrêter. Et ça, c'est une super étoile, du coup. On aura bien avancé aujourd'hui, je suis content. On aura fait deux super étoiles. Oh, c'est propre, en vrai. Yes! Let's go! Ah! Merci Dexron pour le 11e mois. Merci Totoro Tom pour le Prime. Merci Atriam pour les deux abonnements offerts. Et Orzan pour le 36e mois. Bah, soit les 3 ans, en fait, de Orzan. Merci à vous, les fleurs, pour le soutien. La grosse étoile qui fait plaisir, hein. Un portail vers un nouveau monde est apparu. C'est une grande étoile. Ouais, c'est une grande étoile, bien sûr. 51, comme le passé, ce minot. Yeah. 23 étoiles médailles comètes. De toute façon, on ira les chercher plus tard. Comme j'ai déjà dit, les médailles comètes, si on les croise pendant qu'on joue, tant mieux, on les prend. Mais sinon, on retournera plus tard. C'est l'occasion de revisiter des niveaux qui nous ont marqués, bien sûr. Merci Chicota pour le 10e. Merci beaucoup. Eh, hey, tu perds. Tu n'as dégoûté à 4ème du père étoile. Il t'a encore battu contre le pirate de Bowser. Hein. Et il devient de plus en plus coriace. T'as pas vrai, mon gars. T'as l'air d'avoir pas mal tout fait, cette fois. Il faut qu'on arrête Bowser avant qu'il vienne trop puissant. Ouais, hein. On redouble d'efforts, petit mousse. On largue les amers. Le vaisseau mégalo. Oh là. Mazette. Quoi? Cet endroit a l'air d'être vraiment bien gardé. Vous pensez que c'est un easter egg parce que j'ai 51 étoiles? À mon avis, c'est ça. À mon avis, c'est un easter egg des 51 étoiles. Mazette. Cet endroit a l'air d'être vraiment bien gardé. Si vous, à mon avis, Matelo, ça veut dire qu'on se rapproche du quartier général de l'ennemi. À coup sûr, ces pirates te réservent un accueil explosif et à toi de jouer, petit mousse. Oh, Mazette va. Allez. Oh, tu le crois? Satellite. Ok, donc on est en full espace, quoi. Bienvenue sur le vieux port, hein? Hein? C'est bien. Oh, quoi? Ça fait vachement penser au 1, ça. Il y a des niveaux... Ça fait vachement penser au 1, ça. Hein? Ah, il y a des... Il y a des planètes tout entières qui ont cette mécanique? Je savais pas. Intéressant, en vrai. Attends, Bobby, vous pensez que c'est le Bobby du... Non. Mais Bobby, il était pas mort? Non.
Il a pas parlé à Luigi. Mais moi je veux pas jouer Luigi en fait. Je veux jouer Mario, du coup je lui parle pas et je... Et voilà. Si vous voulez, je lui parle pour lui dire que je le joue pas, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Les mécaniques sont fluides. Pauvre Luigi négligé. Bon, peut-être qu'on l'utilisera un jour. Inch'Allah, Inch'Allah. Oh merde. Faut faire là. D'après ce que j'ai compris, c'est à partir de maintenant que Super Mario Galaxy 2 devient un peu plus complexe. C'est progressif. Ouais, c'est progressif. Non, mais tant mieux en vrai. C'est pas mal, la difficulté progressive, c'est pas mal. La montée de la difficulté de manière progressive, c'est pas mal. C'est bonbon ? Non. Je suis en bas à l'aide ! Astuce ! Utilise le bonbon pour pas venir à tes fins. Tu vas voir comment on fait ? En vrai, ouais, parce que je vois pas de quoi tu parles, là. C'est parti! C'est pas moi qui joue, hein. Merci, Deivo, et pour le deuxième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Ok, je viens de capter. Ok, c'est bon. Ok, j'ai capté. Ah ouais, mais là, mais là c'est même plus du spoil ou du backseat. C'est pas une astuce, là, que tu me donnes. Mais c'est horrible! Ah, je suis dégoûté. Ah, je suis deg. Bon, alors. Même si on sait, c'est pas forcément évident, hein. Ouais. Oh, en vrai, ça dégoûte. Il t'a dit, tu veux voir comment on fait. Ouais, mais pour contrôler les bonbons, pas forcément pour me... Là, il m'a vraiment montré l'action, quoi. J'avoue que... Là, il m'a montré le move jusqu'à l'explosion, quoi. Allez. Il est beau, là, le jeu. Je rappelle qu'on est quand même sur un jeu Wii. Super Mario Galaxy 2. Alors, j'ai pas la date... Ça doit être du 2009, peut-être, à peu près. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cassé ça pour la vie, c'est propre. 2010. En vrai, à part le fait que ce soit en 480p, il est parfait, quoi. Je trouve... Non! T'es bien là. T'es bien. C'est quoi ça? Ok. Ah oui. Et du coup, moi, je peux pas comparer avec le 1, parce que le 1, je l'ai fait sur le portage Switch, qui est du coup en HD, quoi, donc je peux pas trop comparer. Est-ce que le 2 était... C'est bon. Est-ce que le 2 était vraiment... Non, il était pas plus beau que le 1, non. Hop. Ouais, pas vraiment, non, c'est sensiblement la même chose, quoi.
Ah, je me fais suivre. Ah! Là. Oh, j'ai chaud. Putain, j'ai super chaud là. Safe. Merci le Royal. Pour le quatrième, ouais, merci beaucoup. J'ai eu peur. Merci Arcaïde aussi. J'avais joué au 1 mais pas au 2. À part quelques mécaniques qui changent, on dirait que c'est le même. Bah par contre les mécaniques du 2 sont bien plus développées. Moi je kiffe bien les mécaniques du 2. Moi ce que je disais c'est que en gros en fait moi je pense que... Alors j'ai pas fini hein. Mais en gros moi je préfère le hub du 1. Je préfère l'univers du 1, l'aéronef et tout là, etc. Sauf qu'en fait, je préfère le... Une fois qu'on est dans les mondes, pour le moment, je préfère le 2. Voilà. Parce que le 2, au niveau vraiment du... Le game design du 2 est encore plus développé avec de nouvelles mécaniques, etc. Mais par contre, quand tu sors des niveaux, bon bah t'es là, t'es sur ta tronche, c'est un peu moins drôle que l'aéronef, quoi. Voilà. Mais après, en termes de gameplay pur, c'est quand même un régal. Le 2 est quand même plus régalade que le 1, même si le 1 est une véritable régalade aussi, tu vois. Voilà un petit peu en gros, hein, mais... L'aéronef, ça me saoulait, moi, d'aller de salle en salle, même si l'endroit est plus stylé. Ah ouais ? Putain, moi, au contraire, je trouvais ça cool, tu vois. Ça peut donner des envies différentes, des fois. Ah bah, finalement, je vais là, machin. Moi, j'aimais bien. Mais c'est du pur ressenti perso. Hein. Du pur ressenti, waouh. Tu as prévu de faire un 100% ou tu décideras sur le tas? Si, je vais faire un 100%, ouais. Je vais faire un 100% comme j'ai fait le 100%. Comme j'ai fait toutes les étoiles de... Du 1. Je pense que je ferai toutes les étoiles du 2 aussi. En fait, le 1, j'ai fait toutes les étoiles, sauf que j'ai pas refait avec Luigi. Donc j'ai pas fait la 121ème parce qu'il faut l'avoir fait avec Luigi. Voilà. Donc je sais pas si on peut dire que j'ai fait le 100% du 1, mais j'ai fait toutes les étoiles, quoi. Mais non. Sérieux ? Ah, c'était là, ok. J'ai fait le 100% de Mario, ouais, c'est ça. Ça rentrait pas. Qu'est-ce que ça fait? Ça ralentit aussi tout ça? Pareil. Ouais. Ça va. Ah ouais? Alors ce que je vais faire c'est... Propre. Mais est-ce qu'il faut pas ralentir au bon moment parce que là... Ah bah si, c'est bon. Non. Ah non, ce que je vais faire c'est ça, et merde. Ça. Hop les... Oula. Attends, ouais. Voilà. La plateforme, je la connais. Est-ce qu'il est possible de le faire sans mode de ralenti? Je pense que c'est possible de le faire sans mode ralenti, mais c'est extrêmement dur, à mon avis, surtout. Je pense. J'imagine.
J'imagine. Merci Distrante pour le 10e mois. Merci beaucoup. Distrante. Bah go. 1500, il y en avait un, mais... Ah, attendez. Merde, il est où le tuyau? Je vais faire celui à 1002. Il y en avait un à 1002 derrière, non? Je l'ai pas fait, je crois. J'ai 1000... Là, j'ai 1003 et en banque, j'ai 500. C'était lui, voilà, c'est ça. Putain. Yes. T'as déjà essayé le Luigi's Mansion? Je l'ai fait, hein, Luigi's Mansion 3, je l'ai fait sur cette chaîne quand il est sorti. J'avais fait le 1 à l'époque sur GameCube, et par contre j'ai jamais fait le 2. Vas-y, 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 je t'en donne 1002. Ah, la graille. En fait, t'as pas du tout touché à la 3DS. Ah, moi, je n'ai pas touché à Nintendo de 2007 à 2017. Je n'ai pas touché à un seul jeu Nintendo de 2007 à 2017. Voilà. Même de... Si, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est ça. Eh oui. Eh oui, oui. Moi, en fait, la Wii... La Wii, bah, quand elle est sortie, ça m'a pas convaincu. Même si c'est du génie ce qu'ils ont fait avec la Wii, parce qu'ils ont ouvert le jeu vidéo à d'autres personnes, avec notamment ce motion, la détection de mouvement et tout. Mais, concrètement, moi j'ai pas aimé la Wii. Et moi j'étais, au moment où la Wii est sortie, j'étais plus dans un mood de Warcraft 3, de Diablo 2, de World of Warcraft aussi, de Age of Empires. J'étais plus dans ce mood, que prendre un god blanc et le secouer dans tous les sens pour se bouger le fion, quoi. J'avoue. Mais la Wii a été une réussite sans nom, et c'est monstrueux, et voilà, quoi, c'est... Mais à l'époque, moi, c'était pas du tout ce que je cherchais dans le jeu vidéo, quoi. Mais par contre, sur Wii, en termes de jeu, il y a une quantité de dinguerie, c'est hallucinant, hein. Mais je regrette pas, parce qu'aujourd'hui je le fais et je le découvre avec mes yeux d'adulte et ça me va. Oh, y'a des donuts. Oh, j'avoue. Oh, les donuts magnifiques donuts. C'est vrai, ça. Ah non. Magnifique. Il est trop bien, ce monde-là. Vrai kiff. Hop là, un petit lu. Tac. Oh, l'erreur. Ah, mais c'est de la merde, ce que je fais, par contre. Ah, la caméra, je fais nimp. Ah, c'est tout là-bas? Encore? Jethro, j'ai voulu la tenter. Merci, Quebs, pour le 2e mois. Merci beaucoup. Mais tu es fala, je suis un dingo. Shinding. Quand elle why dans son short.
Ok. Super. C'est complètement noté, ça. Compte sur moi pour aller directement prendre cette magnifique étoile. J'ai rien compris. Ok. Oula. Je sens que ça va être chaud. Ah. Oh, je sens qu'on va pas y arriver. Ça va. Est-ce que tu penses que tu feras Mario 3D World quand il sortira sur Switch? La réponse est oui! Tout à fait. Bah là, en fait, on se refait tous les Mario. On a commencé avec 64, on s'est fait Sunshine, on s'est fait Galaxy. Là, on est sur Galaxy 2. Ensuite, on se fera Odyssey. Et ensuite, on se fera 3D World. Mais je sais pas dans quel sens on va faire. Mais ouais, bien sûr. 100% prévu. Merci Sneagle pour le 8ème mois. Merci beaucoup. MK Wii, t'y as pas touché. J'y ai joué à MK Wii quand la Wii est sortie. Enfin, quand MK Wii est sortie, j'y ai joué un petit peu, mais très peu. MK Wii, j'ai dû y jouer franchement. Peut-être 50 heures, tu vois. J'ai joué très très peu. Non, on a bientôt fini, hein. Le live se finit quand? J'avais prévu de terminer vers 17h, donc ça va pas trop tarder, je pense. Je pense. 1500 là, il en faut, putain. Un live ce soir. Moi ce soir, je serai pas en live, mais je serai quand même sur Twitch. Je serai sur la chaîne d'Étoile. Il m'a invité pour la nuit de la culture, donc ce soir à 20h, je serai avec Étoile pour la nuit de la culture. Voilà. C'est pour ça aussi que je veux pas arrêter trop tard. T'as combien d'heures sur MK8 Deluxe? J'ai 800 heures et quelques, je crois. À peu près. 850 heures? Je crois, en ce moment. Mais après, vous savez, 850 heures, honnêtement, le jeu est sorti à 3 ans et demi. 850 heures en 3 heures et demi, c'est pas tant que ça, hein, en vrai. C'est pas tant que ça. Hein. Le choc. Oh, c'est énorme. Fous de ma gueule le jeu là. Voilà, c'est... Let's go. Putain. Et qu'est-ce qu'il fout lui en plein milieu? Oh l'angoisse. L'angoisse. Putain, c'était pas maintenant. J'ai envie d'aller là. Non, il fallait attendre là. Non. Alors. Ah, en vrai c'est. Voilà. Ah! Alors. Oui.
1-1-1. Ah oui, d'accord. Il y a plus en plus de caisses qui s'amassent ici. J'en perds les boulons, mon garçon. Ah oui, oui. Oh là là, c'est les niveaux de l'enfer. C'est les niveaux de l'enfer. Allez. Les niveaux de l'enfer. C'est parfait. 20 secondes. Non mais attends. Quoi? C'est mort. La première, c'est pour checker. Mais attends, mais c'est horrible, en fait. Ça va pas du tout, oui, bah ça va aussi. Vous savez quoi? Stratégique. Je tente un truc. Merde. Merde. C'est pas allé jusqu'au bout. Oh, close, 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 je pense vraiment. Ah oui, oui, la stratégie était excellentissime. Elle était muy caliente, vraiment. Je refais. Même strat. À très vite les fleurs, passez de bonnes fêtes. Bisous, clac-là. Bonne fête à toi aussi. Ok. Nouvelle stratégie. Ah putain, je me suis raté. Je me suis raté. Ok, c'est pas grave. Ouais. Close en vrai. Close, close, mais c'est moi qui me suis raté. C'est moi qui me suis raté. Merci à Hero pour le 14e mois, merci beaucoup. Go. Pas bête la guêpe, bien sûr. Deg. Je suis trop deg. Il y en a toujours qui manquent. C'est dur. Je refais. Boum. Pense à ce que t'as envie de jouer à Spyro Reignited Trilogy. Ou un jeu de la licence Kirby. Oh, c'est pas spécialement prévu, j'avoue. C'est pas dans la prévue. Il y a beaucoup de jeux hein, qui me chauffent en ce moment. Que j'ai fait. Mais là-bas, tout au bout, ils ont pas été touchés? Ah, c'est trop loin. C'est trop loin, ils ont pas été touchés, je suis deg. Merci Grinast pour le 8e mois, merci beaucoup. Peut-être que j'en envoie plus. Je vais voir. J'ai trop. C'est fini. Ah, y a pas la dernière. Écoutez, il n'y a pas eu la dernière. Je l'avais s'il y avait eu cette dernière là-bas, là. Ok, bon, je sais que je dois envoyer une deuxième en m'avançant un peu middle. Bon.
putain, il y en a encore là-bas. Y'a les deux là-bas, ça fait tellement mal! La strat est bonne, la strat est bonne. La strat est bonne. La strat est très très bonne. Oh non, c'est parti en... secondes. Je suis très très bien. Je suis très très bien. Je suis très très bien. Avec 4 secondes, c'était propre. En vrai, c'était propre. Yes! Impossible n'est pas ponce, crois en toi. J'y croyais, moi j'y croyais, hein. Aucun moment j'ai douté, hein. J'ai pas douté. Pas douté du tout. Que les vents solaires me grillent les orteils. C'est quoi encore cette merde? Une fleur avec un visage trop bizarre? C'est juste une émote sur ma chaîne, quoi, mais bon. Allez! C'est bien. Tais-toi. Ouais. Super. Au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur. Merci d'avoir critiqué. Merci beaucoup. Super sympa. Hop! Je vais... Ah non, je voulais partir. Non, non, je voulais partir, là. Non, pas du tout. Non, non, ça partait de mon côté, là. Ouais. Sauvegarder et quitter. Ouais, ouais. Fous-moi. Putain. C'est tellement une position en particulier qui fonctionne. C'était dur, hein. C'était très dur, hein. Ah, j'ai eu peur. Sur tes os, il y aurait pas ce problème, c'est vrai. C'est vrai que sur tes os, il y aurait pas ce problème. Ah, bon bah voilà pour cette session de Super Mario Galaxy 2. Ma foi, on a bien avancé, hein. J'avais dit que si on atteignait les 50 étoiles, j'étais content. On a atteint 53, je sais plus exactement, mais on a pas mal d'étoiles, donc je suis assez content au final. C'est très très cool. C'est très cool. Bon, les fleurs. Alors, la der. Non, non, mais c'est pas tout à fait fini. On se revoit, on se retrouve. Quoi qu'il arrive, ce soir à 20h sur la chaîne d'Étoiles pour la Nuit de la Culture. Nuit de la Culture avec Étoiles ce soir. Donc, c'est pas tout à fait fini, bien sûr. Ah ouais, BG. Ah oui, BG qui décide d'offrir 20 abonnements comme ça avant de partir. Merci, BG, c'est très gentil. Merci beaucoup, BG. Merci pour le soutien. Ça fait très plaisir. Et sinon, il y a Nico qui nous dit en message en avant, je viens de sortir de ma première anesthésie générale, pire moment de ma vie. C'est particulier l'anesthésie générale. Très particulier. Très très particulier l'anesthésie générale, effectivement. Bon bah les fleurs, je vous embrasse. Je vous donne rendez-vous ce soir à 20h sur la chaîne d'Étoiles. Si jamais la Nuit de la Culture avec Étoiles ne termine pas trop tard, je continuerai le live tranquillement sur WoW ou autre, enfin on verra. Donc je vous tiens au courant, quoi qu'il arrive, 20h sur la chaîne d'Étoiles. Aussi, c'est pas sûr à 200%, mais gardez ça en tête, mais peut-être, je vous tiendrai au courant sur Instagram et sur Twitter, mais peut-être qu'il y aura un live genre le 28 au soir. C'est possible, parce qu'il y a un moment, je reviens ici pour repartir. Je prends le train, aller-retour, machin, et du coup, je serai peut-être ici un moment, et si jamais j'ai le temps et je peux, je lancerai un live, peut-être.
Genre le 28, donc en plein milieu de mes vacances. Vous verrez, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas sûr, mais c'est pas impossible. Sur ce, les fleurs, je vous embrasse, je vous remercie d'être toujours aussi agréable avec moi. Merci beaucoup aussi à la modération. Pour ceux que je ne revois pas d'ici là, évidemment, joyeuses fêtes, bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël, profitez de vos proches. Si vous êtes seul, bon courage et surtout calez-vous sur le Discord. Vous avez des Discord, je suis sûr et certain que le 24 au soir, le 25 la journée, il y aura des gens sur Discord, sur les jeux, etc. Donc quoi qu'il arrive, on est jamais réellement seul, n'hésitez jamais. Les fleurs sont très gentilles et elles sont là pour vous accueillir avec grand plaisir. Avec grand, grand plaisir. Quoi qu'il arrive, merci pour tout le soutien que vous m'apportez. C'est insane. Vous allez bien évidemment me manquer. Mais on se revoit ce soir sur la chaîne d'étoiles. Ce soir aussi, un petit peu plus tard, si vous êtes là sur WoW ou Rocket League ou j'en sais rien de ce qui va se passer ce soir. Et peut-être le 28 aussi. À voir. C'est pas sûr, mais à voir. Quoi qu'il arrive, merci pour tout. Gros bisous. Et j'avoue que je vous aime un petit peu. J'avoue. Bisous les fleurs. Bye.